qui sent bon. Ouais, bon, je sais bien, je vais me laver les mains. Elle sent mifflette. Avec une herbe peut-être. Il n'y en a plus. C'est tellement curieux ce machin. Jack le trappeur. Tu te fais pas le dos, hein, Jacques. L'hiver sera rude, on peut vous le dire. On te reprend tout à l'heure, alors. Oh là là, le gars. Là, je crois bien. Hein. Mais quelle puissance. Ça dégage, hein. Et voilà. Vous voulez que je fasse celui-là? Ah, c'est dommage parce que ça pourrait faire. Alors, si t'arrives au bistrot, tu demandes un chasseral, ils vont pas savoir, peut-être. Non. Dans le midi, l'autre jour, j'ai demandé à un sérieux, ils n'ont pas su ce qu'il fait. C'est un formidable non plus. Le premier plan, il doit y avoir une ferme d'alpage, et dans le tout au fond, il doit y avoir la cabane des électriciens, une espèce de cabane un peu comme celle de... Voilà Gaston Rebuffa. Faut pas le dire, mais c'est lui. Devant, vous avez René Demaison. Et à droite, Louis Lachenal. C'est ça qu'on avait prévu avec Josiane au départ. Soit on fait une variation sur thème, c'est-à-dire qu'on continue ici, c'est-à-dire là. Après, je ne sais plus très bien comment ça marche. On arrive au creuset du boucher. Ici. Et on ne veut pas faire de mur béton ou autre, on veut quelque chose qui soit local. C'est celles-ci qui sont belles. Ouais, c'est bien beau. Hein. C'est beau le mélange de couleurs. On dirait qu'il est... C'est la muraille de Chine, et ça c'est la muraille des Rousses. Hop. Oui, moi aussi, j'ai le plante-mètre. Plante-mètre, c'est ça? Oh, à l'aise. Voilà, René. Catherine. Voilà la haute chaîne, une deuxième haute chaîne. Avec au loin des mamatus. Là, nous arrivons sur le point du culminant de l'Inde.
des cinq massifs français. Ils sont juste pour une personne pour moi, une personne.